Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue pour la suite de Doom 2016, toujours en mode ultra-violence, et nous sommes à la partie 20 des vidéos. Donc j'espère que vous allez bien avant toute chose, je suis heureux de vous retrouver pour cette folle aventure, et nous allons commencer sans plus attendre. Mais avant toute chose, toi qui es nouveau, pense à t'abonner, activer la cloche de notification si la chaîne te plaît bien sûr, et afin de ne rien rater des futures sorties. Et pour tout le monde, prenez-vous à boire, à manger, mettez-vous dans le noir pour avoir une meilleure qualité d'image. Et sans plus attendre, nous démarrons de là, la One Again Beast to Fly. On n'a pas peur, on est des... On est des rappeurs, mon ami. Ouais, t'es sûr? Allez, go, come on y va. Donc, nous étions dans le tram à Châtelet-Léal. Voilà, et on rejoint la station Lazarus. Il est temps que nous nous rencontrions. Ouais, bah ouais, écoute. Mon bureau se trouve à l'étage de ce C'est le seul bâtiment. Qui me suis venu en tête, alors... Donc, rejoindre la station Lazarus, nous sommes à la station Lazarus. À mon avis, oh là, un ennemi au sol. Deux. Que se passe-t-il là? Trop d'ennemis au sol, c'est pas bon. Le verdict, je crois qu'il a raconté une grosse connerie. J'ai pas entendu. Ce vaste centre de recherche, de conception et de production utilise des technologies et techniques de fabrication de pointe pour réaliser des prototypes allant de la robotique à l'armement en passant par les systèmes de communication pour tous ces espaces. Oh putain, ça y est, ça commence. Ah ouais, alors lui, dès le moment où tu lui tournes le dos, voilà, c'est mort. Regardez comme c'est magnifique ces paysages et tout, c'est... Franchement... Ouais, ouais, je suis... Tu es un grand 8, là ? Là, ouais, ouais, je suis dans un grand 8, là, en fait. Allez, on est arrivé, donc on sait à quoi s'attendre. Hein. Le plus dur, c'est de s'adapter aux ennemis dès le début, en fait. Fondé sur le sang, la sueur et le rêve. La bonne arme. Ne vous égarez pas, l'UAC a besoin de votre foi. Ouah, ça c'était beau, c'était propre. Voilà, les méchants qui a mieux se tenir. Night est dans la place. Je vous le dis. Bienvenue. Ah. Vous avez pu me le dire avant qu'il y avait une armurerie dans les toilettes, hein. Franchement, les gars. Bonjour. Ah non, on peut pas, ok. C'est bon, voilà, tranquille. Fin du verrouillage. Allez. Oh. Ah, ça c'est bienvenu, ça. Explosion. On va prendre quoi, les poteaux?
Santé, armure, munitions. Putain, c'est rien. C'est rien en fait. Et les munitions, on en a suffisamment quand même. Okay, maximum des chargeurs. La santé. La santé, c'est important. Regardez-moi ce babé là. Allez, tranquille. Hop là, bonjour. Regardez ces hommes et ces femmes d'exception. Je vais me reprendre de la vie là. Pour augmenter. Comment je rentre là? Comment on y va là les poteaux? C'est quoi? Ah là! La zone en cours, sécurité de la zone non vérifiée. Non mais je veux rentrer là les poteaux! Nous conduira vers un nouvel âge de l'humanité. Non. Ok, c'est pas grave, Ils veulent pas me faire rentrer. On va s'incruster. Va. Bienvenue dans le complexe de recherche avancée de l'UAC, où nous entrerons la science comme une simple. Oh non! Ah ouais, mais aussi je le fais au petit pistolet, trop la confiance. Non mais ils sont sérieux quoi, ils me font reprendre là? Allez, comme tout à l'heure, ça dégage. Il faut arrêter là. L'armure, tranquille. On n'avait rien. Tranquille, tranquille. Intrusion démoniaque terminée. Pas de panique, ça va bien se passer. Bon, la vie. Bon, y a de la vie, y a de l'espoir. Regardez ces hommes et ces femmes de l'UAC. Voici les plus brillants esprits, les membres les plus dévoués de l'UAC. Inconditionnellement originés, ils sont assimilés de notre foi. Eh, tu t'es vu quand t'as vu, t'as vu comment tu marches dans les flammes. Leur travail est si dur, leur dévouement. Bon. Tout ce qui est en votre pouvoir pour réaliser notre destinée, travaillez davantage, accrochez votre main sur la route de l'excellence. On va aller reprendre la vie là-bas. Voilà, on va pas leur faire cadeau non plus. Yeah. Bon,
munitions faibles. Ouais, ben toi t'es beau maintenant, tiens. Donc, prenons quoi comme balle? Regardez ces hommes et ces femmes d'exception. Nous n'avons pas suffisamment de postulants et leur travail assidu, leur dévouement, leur abandon. Ok. Va mener nos travaux sans eux. Sur quoi travaillez-vous, Olivia? Je n'ai pas vu de rapport de votre équipe depuis des mois. Puis-je avoir confiance dans le fait que vous parvenez à maintenir vos distances et à contrôler la situation? Bien sûr. Je crois en notre travail. Mais pour faire des progrès, nous devons être... Le pouvoir de l'énergie argent sous l'intendance... Excusez-moi, on va vite à la zone vérifiée, ça a dû ouvrir là, non? Non? Et pourquoi ça l'ouvre pas? C'est de ouf. Il y a autre chose que j'ai pas fait là, et non? Non, zone vérifiée, je vois pas trop les photos là. À mon avis, il faudra revenir, j'en sais pas trop, c'est pas trop quoi. Ouais, tranquille quoi. Je ne sais pas pourquoi, ça ne sent pas bon. Quelque part, hein. Ok. On va faire le tour tout là-haut déjà. Le but c'est de bien nettoyer. Il y en a déjà pas mal qui pop en même temps. On récupère les munes, tout ce qu'on peut prendre. Hop, armure, ça c'est bien. Ah, vous voyez? Intérêt, bon, supplément. Bon, les poteaux, allons-y gaiement, les larmes aux yeux, comme on dit. Où j'ai vu le truc violet tout à l'heure. Ah, il est là. Ça. Oh là 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 là.
on court. On se raccroche à la vie. Oh non. Putain, merde. Allez, les amis, on reprend mieux, les poteaux. On était bien. Mais bon, voilà. Verrouillage actif. La tronçonneuse, je voulais pas l'utiliser de suite en fait. C'est peut-être mon tort. Ouais, j'aurais dû l'utiliser la tronçonneuse. On va récupérer toutes les vies. Tranquille. Hello. Ah non, je suis coincé sur Keblo quoi. Là, je suis Keblo avec le pot de fleurs, c'est chiant. Oh. Allez poteau, il faut que ça passe, c'est celle-là. Il le faut, on donne tout, on lâche rien. On lâche rien comme on chante. Bah alors, tu voulais pas que je te tue, petit garnement? Ça perd l'hippopète, dis donc. Donc. Bon, après, c'est vrai que j'ai quand même le berserk. Putain, il faut pas que je l'oublie, lui.
Elle est en augmente à 175. Ah ben non, 174. Bon ben écoutez. Ah non, regardez, j'ai un copain là. Voilà, hop. Allez. On va le faire avec quoi? Déjà, comme ça, on va pas perdre de temps. Pour les gros. Voilà, là, je m'y suis mal pris, là, très mal pris. Ah, je suis encore coincé. Je suis encore coincé, mais c'est pas croyable. Putain. Faites le ménage chez vous, enlevez les fauteuils, un truc. Allez, les potos, on retente, on lâche rien. Je peux pas vous dire à combien de travail j'en suis. Mais voilà, quoi. C'est très compliqué, c'est vraiment... Ce jeu est terrible. Intrusion démoniaque terminée. Les amis, j'ai réussi les poteaux. Au bout de je sais pas combien de temps de travail, quoi. Mais oh my god. Bon, les amis, on va vite sortir de là, on va récupérer des munes.
Ah, pour trouver la strat, c'est très compliqué, les poteaux, très très compliqué. Et là, j'ai eu la chance, c'est qu'avec le berserker, j'ai eu l'autre folle là qui est venue face à moi. Donc bon, dès au moment où tu la tues, elle, c'est quand même beaucoup plus simple après. Waouh, les amis, je croyais jamais y arriver. C'est très chaud, c'est très chaud. Ça arrive de partout. Bon, on a réussi, on a réussi. Merci les potos, c'est cadeau. C'est pour vous, les amis. Très dur, très dur, mais voilà. Ça paye, c'est ça qui est bon. Là où faut-il aller? Ah, ici. Ne craignez rien, ce n'est qu'une mise à jour du système. Un prototype de notre porte interdimensionnelle qui me permettra de vous ramener des enfers. Pardonnez le choc, mais je pense que vous n'auriez pas accepté autrement. Je suis le docteur Samuel Hayden. J'ai tout ce qu'il faut dans mon bureau. Par ici, je vous prie. Non mais... Un drôle de docteur, hein. Samuel Hayden en personne, les amis. Je le voyais un peu plus humain, en fait. Non, puisqu'on voyait de toute façon sur l'hologramme. Bienvenue, docteur Hayden. Prenez tout le ravitaillement nécessaire. Oh ben, c'était pas attendu. Je ne t'ai pas attendu, mon poteau, pour tout prendre. C'est bon. La destruction de la tour argent est catastrophique. Mais je m'engage à vous aider à fermer le portail. Ah, c'est gentil. Tout ce que nous savons de leur monde et ce sur quoi nous travaillons provient des inscriptions découvertes sur un artefact de pierre arraché aux enfers au tout début du programme. Nous l'avons baptisé l'Hélice de Pierre. C'est notre bien le plus précieux à ce jour. Une véritable obsession pour Olivia. D'accord. Nous avons ainsi appris à manipuler l'énergie infernale pour la plier à notre volonté et tirer avantage de leurs ressources. Mmh. Elle nous a aussi conduits à vous. L'Hélice de Pierre nous a montré comment maîtriser la puissance du puits. Elle devrait vous montrer comment le fermer. Pendant des années, Olivia a gardé l'hélice de pierre dans son bureau du laboratoire Lazarus, accessible uniquement par un ascenseur sécurisé, depuis le complexe scientifique de recherches avancées de l'autre côté du schisme. Okay. Vous semblez aimer les armes à feu. Oh, j'aime bien, vous ouais. Vous devriez trouver tout ce qu'il vous faut ici. Ouais. L'ascenseur de service se trouve au bout du couloir. Ok. Ok, eh bien les poteaux. Nous allons prendre l'ascenseur de service. Et je pense que nous nous arrêterons là. Voilà, dur combat. Bien compliqué. Des trails, encore des trails, toujours des trails. Mais quand on aime, on compte pas les amis et c'est grâce à vous. Et ouais, on a réussi les poteaux. On récupère ça. Alors les amis, j'entends du combat. Donc, eh bien écoutez, nous allons nous arrêter là-dessus. Et bien sûr, ben, au prochain épisode, nous repartirons de là. Donc, merci à tous pour m'avoir suivi jusqu'au bout. C'était assez compliqué, c'était hard. Mais bon, ça devient de plus en plus. Donc, pour toi qui es nouveau, si le mode de jeu te plaît en hardcore... Eh bien, pense à t'abonner, à activer la cloche de notification afin de ne rien rater des futures sorties. Et pour tout le monde, merci à tous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de moi, j'en ai besoin, hein, après des combats pareils. Portez-vous bien parce que j'ai pas le temps de vous porter, mais le cœur y est. On se dit bye bye, à bientôt, Red Cool Bébé, sinon tu parles à ma main. Allez, ciao, merci, bye.